qu'est-ce que c'est WAMEP? C'est très simple. C'est se dire qu'à un moment, on met ensemble des acteurs et des créateurs textiles pour un petit peu réinventer leur histoire autour de la mode durable et de la mode circulaire. Ça fonctionne un petit peu comme un label de musique indépendant. Et notre objectif, il est très simple, d'accompagner, de produire, de mutualiser ensemble une mode plus juste, plus durable et plus circulaire. Parmi les membres, eh bien, on a Marcia, mon ambassadeur Marcia de Carvelo, qui est une des pionnières au niveau de la mode circulaire, puisqu'elle refait à partir d'anciens textiles depuis 2008, je ne sais même plus, de nouveaux vêtements en upcycling. Seront présents également des petites pépites qu'on ne connaît pas, qui est comme Mujashoes, qui travaille sur les savoir-faire en Afrique. Une designer géniale qui est entre la France et le Guatemala, Sofia d'Atypique Atypico. Bien sûr, la directrice artistique avec sa marque Pop, directrice artistique de WAMEP, Anne-Laure Eustache, qui est basée aux ateliers Jouré à Roubaix. Venir au Fashion Green Days, c'est quelque chose d'extrêmement logique, étant membre fondateur de l'association Nordcréa aux côtés d'Annick Jehan et de Jean-Michel Castin. C'était bien là qu'a commencé mon histoire autour de la mode durable et qu'elle se continue. Et c'est une manière de rencontrer et de se dire que nous sommes tous une partie de la solution. Une autre mob est possible.